Bienvenue dans mon atelier. Je vais vous montrer aujourd'hui comment on va faire le petit pochon. Le petit pochon, c'est fait avec le Natura Extra Large. C'est un coton, 100% coton de DMC. Et c'est une fil pour un aiguille crochet numéro 8 à 9. Moi, je commence toujours avec la laine qui est au milieu. C'est plus facile comme ça. La boule reste, la pelote reste comme ça. Je vais faire une chaînette avec 6 mailles. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, maintenant je vais fermer avec une maille coulée, le cercle. Voilà. Et hop. Comme ça. Maintenant, dans le petit cercle, je vais faire 12 brides. Mais le premier, c'est 1, 2, 3 chaînettes. Ça, ça compte pour le premier bride. Maintenant, encore 11. Donc, un bride, c'est comme ça. Voilà. 1. 3. 4. Donc on tourne, on fait ça, la 2, et encore une fois la 2. 6. 9. Et tu vois, en même temps, je prends le fil comme ça. Donc, après, je peux découper immédiatement le fil. Voilà. Voilà, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je vais fermer avec une maille coulée. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Premier effet. Là, on a fini le premier tour. Maintenant, on va faire la deuxième. Et on doit augmenter les mailles. Donc, d'abord, je fais 1, 2, 3 chaînettes. Et normalement, maintenant, quand on fait le bride, on prend les deux. Comme ça. Les deux. Mais maintenant, je vais prendre que le dernier, donc pas le premier, mais la deuxième partie du maille suivant. Voilà, un, et je fais une bride. Pour augmenter, je vais faire dans chaque bride, deux brides maintenant, pour la deuxième tour. Donc, je ne prends pas les deux ensemble, je prends que la dernière pièce. Voilà. Un, deux. Encore une fois, donc pas les deux, mais juste le dernier et deux dans un bride. Deux. De nouveau. Maintenant, j'ai les 24 et je vais terminer mon deuxième tour avec un maille coulé. Voilà. Non, je commence mon troisième et pour augmenter, ce que je fais, c'est aussi je prends chaque fois que le dernier fil d'une maille, mais je vais augmenter dans le premier, je fais deux brides, dans la deuxième, un, troisième, deux, quatrième, un. Donc, comme ça, tout le tour. À ce moment, on a 36 à la fin. Fini mon 36 mailles et maintenant je vais terminer mon troisième tour avec un maille coulée. Le quatrième tour, c'est fait avec les nappes.
Le nop, c'est ça. Ça, c'est un nop. Je vais vous montrer comment on fait ça. Normalement, je fais les trois mailles en l'air. Maintenant, non, je tire ça longue. Ce que je vais faire maintenant, c'est comme un bride. Je prends seulement le dernier. Voilà. Et je tire. 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Et maintenant, je fais une maille en l'air. Et je prends les 9 mailles en même temps. Et je fais une maille en l'air pour terminer le nop. Maintenant, le nop, c'est fini. Maintenant, je fais une maille en l'air. Je fais plus un nop dans la deuxième, mais que dans la troisième. Voilà. Et je prends, pas les deux comme ça, mais ça. Et longue. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Voilà. Maille en l'air. Je passe par chaque. Voilà. Un maille en l'air pour terminer le nop. Un deuxième maille en l'air. On laisse tomber le quatrième. On fait une nop dans le cinquième. Pareil. Comme ça, à la fin, j'en ai 18 nop. Et maintenant, je vais faire mon dernier nop et terminer le tour. 3, 4, 5. Voilà. Et terminer avec le maille collé. Voilà. Et le maille collé, c'est fait dans le maille en l'air qui est avec le nop. Terminer mon tour. À partir de maintenant, je ne vais plus augmenter. Je vais faire 3 tours de bride. Je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air maintenant à commencer. Et après, ici, je fais dans le maille, entre les deux nopes, dans le maille en l'air, je fais un bride. Voilà. Sur le maille en l'air, sur le nop, je fais un bride. Donc, voilà. Ici, dans le maille là, je fais un bride. Comme ça, à la fin, de nouveau, j'ai 36 brides. Dans chaque trou, sur chaque nop. Et je fais maintenant 3 tours avec les brides sans augmenter, donc 36 par tour. Voilà mon dernier maille et je ferme avec un maille collé. Vous voyez, 1, 2, 3 tours en bride. Maintenant, de nouveau, je vais faire une tour avec les nopes. Pareil comme ici. Le premier, 1, 2, 3, voilà. Je ferme le nop, maille en l'air, je laisse tomber le deuxième maille et je refais un nop dans le troisième. Voilà, et comme ça, j'ai fait tout le tour, pareil qu'avant. Et voilà mon dernier. Voilà, fermez le tour avec un maille collé et maintenant je refais encore une tour en bride, pareil que les trois avant.
Donc, je commence avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et à partir de maintenant, je fais chaque, dans chaque maille, je fais un bride. Et c'est ton dernier tour, comme ça. Le petit pochon est à peu près fini. Voilà. Donc, quand le tour est fini, j'en ai 36 brides. Je fais le dernier bride et fermer le tour avec un maille coulé. Voilà. Maintenant, je vais faire ça. Voilà. Et comment je fais ça, c'est je vais faire un bride. Donc d'abord, c'est 3 mailles en l'air. Ça compte pour le premier bride. Je fais un maille en l'air. Je fais pas une maille dans la deuxième, mais dans le troisième maille. Un maille en l'air. Je laisse tomber ça et je le fais dans le cinquième. Donc, encore une fois, une maille en l'air. Pas le sixième, mais dans le septième bride. Et comme ça, j'ai ça, les filettes. Ok. Et je termine, je continue toute la tour comme ça. Et pour terminer, j'ai fait le dernier maille en l'air et je vais fermer le tour dans le 1, 2, 3e. Parce que le 4e, c'est le maille en l'air qui est entre les brides. Voilà. Et maintenant, mon dernier tour, c'est un tour avec les mailles serrées. Donc, 1, comme ça. Mailles serrées. Maintenant, dans le trou. Voilà. Donc, je fais 36 mailles serrées. Et ça, c'est vraiment le dernier tour en bleu. Après, je vais commencer avec le blanc et maintenant terminer et je vais fermer mon tour. Voilà. Maintenant, je découpe le fil. Je fais encore un maille en l'air. Et voilà, terminé. Et maintenant, avec le blanc, je vais faire la petite bordure. Donc, je prends le fil. J'ai pris chaque fois le dernier fil du maille. Donc maintenant, il te reste là le premier fil. Et sur ça, on peut crocheter. Ce que je vais faire maintenant, je vais tourner le pièce comme ça. Je vais mettre mon crochet dedans, dans le premier. Donc là, je prends le fil en double et voilà, je tire comme ça. Maintenant, je vais laisser tomber la deuxième, je le prends en double, je le mets dans le troisième en double. Et à partir de maintenant, je fais avec un fil simple, donc je fais une bride. Donc, 2 et voilà. Maintenant, une bride dans le même maille. 2, une troisième. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et de nouveau, dans le même maille, 3 brides. Parce que, voilà, le fil. Donc, 1, 2, 3. Voilà, je laisse tomber le maille là et dans ça, je fais un maille serré. Voilà, mon premier est fini. Je recommence donc. Je fais une bride,
Je laisse tomber ça là-bas. Et je fais 1, 2, 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides, tous dans le même maille. 1, 2, 3, fini. Je laisse tomber le maille là et là-bas, je fais un maille serré. Et comme ça, vous allez faire tout le tour. Je finis maintenant mon dernier et à la fin, j'ai 9 petites bordures. Voilà. Et voilà. Et fermer ici, dans le début, dans le premier, avec un maille serré et puis un maille coulé pour terminer le tour. Je découpe le fil et voilà, tiré, bien tiré. Et maintenant, je vais faire une deuxième bordure comme ça, mais ici, en haut, donc là. Et maintenant, je vais prendre les deux fils du bride, parce que c'est le dernier tour, donc j'ai plus besoin les deux. Donc je les prends tous les deux, c'est plus. Et je recommence pareil, donc je prends le fil en double, je fais ça. Voilà, maintenant je fais en double, je laisse tomber ça. Et voilà, et à partir de maintenant, je prends une seule fil et je fais les 3 brides dans le même maille. 3 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, je laisse tomber le prochain, voilà, et dans le cinquième, je fais une maille serrée. De nouveau, je laisse tomber ça, je fais 3 brides, 1, 2, 3 mailles en l'air et 3 brides. Et de nouveau à la fin, j'en ai 9. Voilà mon dernier. Bride et le troisième, voilà, et voilà, terminé avec une maille serrée et un maille collé pour fermer le tout, découper le fil. Voilà, maintenant on a les fils là et on doit rendre les fils. Et c'est pas évident parce que ce sont des fils très épais. Donc, si on va faire ça juste comme ça, c'est visible. Donc, moi, je préfère diviser le fil en deux, ce qui est très facile, et de prendre une aiguille. C'est une aiguille à tapisserie. Donc, c'est une aiguille sans point. Et je le fais en deux fois. Donc, d'abord, je fais ça, je le fais comme ça, n'importe où, je passe dans les mailles et à la fin je fais un petit nœud, donc je fais ça et ça et voilà. Bien tiré et maintenant vous pouvez découper le fil. Voilà, je vais
fais pareil avec l'autre côté. Maintenant, je pars comme ça. Voilà. Après, je fais le nœud. Donc, comme ça. Et comme ça. Fini. Et comme ça, vous allez faire tous les fils qui restent. J'ai fait pour la finition, pour fermer la petite pochon, deux chaînettes de 80 mailles en air. Et à la fin, je vais faire des petits franfrons. Et comment je le fais, c'est comme ça. Je prends deux fils de l'autre couleur, à peu près une 30 cm. C'est trop, mais je vais découper après. Je prends mon crochet. Je mets mon crochet comme ça au début. Ça en double. Et voilà. Comme ça. Voilà, j'ai les 6 fils, les 5, 1, voilà, et je vais faire un nœud. Tu peux faire ça à la main ou en crochet. Mais moi, je le fais comme ça. Bien tiré, et voilà. Et maintenant, je peux découper comme vous voulez, que c'est tout droit. Et je vais défaire les fils comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Ça, vous faites 4 fois. Les 4 côtés. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre ça. Parce qu'ils sont faits tous les 4 sont finis. Et ce que je vais faire maintenant, c'est je vais prendre un franc et je vais ça. 2. Oui, un dessus, un dessous. Voilà. Voilà. Jusque voilà, voilà, on est là, et avec l'autre je commence à l'autre côté, donc là comme ça, donc ça change, voilà, et je fais le tour, un dessus, un dessous. Nous avons fini. Voilà, maintenant j'ai 2 francs-francs gauche, 2 droites. Je tire. Le petit poncho est fini. Au revoir et à bientôt.